Alors salut à toutes et à tous, c'est Ouvert Constru pour une nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu au titre les gars. Pour la vidéo que vous attendez tous depuis un certain temps, j'ai envie de vous dire, je crois depuis que je suis sur YouTube, c'est quand la vidéo setup, je l'ai entendu des milliers de fois. Et ben c'est maintenant les gars. Donc voilà, après maintenant avoir eu mon PC il y a moins d'une semaine, je peux enfin vous faire le setup. Parce qu'on va dire que le PC dans les setups c'est limite la clé, hein. C'est la pièce clé de tout. Parce que voilà, tout le monde est intéressé généralement par le PC. Au-delà des écrans, tout ça. Donc voilà, j'attendais d'avoir le PC, comme je l'ai dit, les gars, avant de vous faire la vidéo setup. Maintenant qu'on l'a, c'est fait, hein. Donc voilà, normalement, depuis là que je vous parle, normalement, vous avez un récap en gros de ma chambre, si je peux dire, voilà, où je suis ma chambre. Alors, tout ça a été filmé avec un iPhone. Donc je suis désolé si la stabilité n'est pas top ou la qualité. Mais j'ai essayé de faire avec les moyens du bord, hein, comme toujours. Donc voilà, là, vous voyez en gros, hein, la chaise arrosie, les gars. Oh là 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 là, c'est un lit, c'est pas une chaise, c'est un lit. Je vous assure que ça m'est arrivé à plusieurs reprises de m'endormir dessus. Elle m'a été envoyée par mon partenaire à Rosie, les gars. On va bientôt recevoir celle de mon frère d'ailleurs. Donc, si vous voulez une chaise comme ça, les gars, n'hésitez pas, le lien est en description. Donc voilà, bref, c'est parti. On va parler directement du vif du sujet, de ce que vous voulez. Je sais ce que vous voulez tous. C'est le PC, les gars. Le PC, hein. Ce fameux boîtier, hein, qui nous sert à pas mal de choses, hein, sur YouTube, qui est d'ailleurs plutôt pas mal. Non, sérieusement, non, en soi, les gars, ce PC m'a été monté, moi, personnellement, par PC Config. Donc, avant de parler de ça, tatatac, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Alors, on a encore i5 7400 avec 8 Go de RAM, une GTX 1066 Go, tout ça, j'ai oublié après, oui, ouais, c'est tout. Bah, j'ai tout dit, j'ai tout dit. Donc voilà, donc on a très bon bébé, les gars, qui est largement, pardon, suffisant pour du Fortnite, PUBG, tout ça. Pour les jeux actuels, c'est largement suffisant. On n'a pas besoin d'une 1080 Ti à 1000 euros, hein. Ce boîtier fait largement le taf, hein. Et donc, comme je vous le disais, là, il m'a été monté par PC Config, qui me l'a très très bien monté en une heure seulement, les gars. Parce que voilà, ils ont une boutique sur Paris, ils ont un site internet, ils ont un Twitter et un FB. Donc tout ça est en description, les gars. Et donc si vous voulez une config semblable à la mienne, les gars, n'hésitez pas à aller sur leur site. Je vous mettrai le lien de ma config sur leur site, les gars. Et n'hésitez pas aussi, hein, si vous habitez pas loin de Paris, les gars, parce que c'est Paris 12e rue Montgallet, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans leur boutique, les gars, et leur dire que vous venez de ma part. Ça leur fera très plaisir et ils vous feront certainement une petite promo, les gars. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur leur Twitter, FB. Tout est en description. Donc voilà, donc maintenant on va passer, les gars, au bureau, hein, directement. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est très simple, je vais essayer de vous faire tout ça par étape. On va commencer d'abord par le bureau, hein, et après on passera de la droite, enfin de gauche à droite, t'as capté. Donc maintenant on va passer à ce qui est relié au PC, dont ce qu'on a besoin pour utiliser le PC, c'est le clavier et la souris, hein, gamer de chez Klim, les gars, Klim qui est aussi mon partenaire. Donc voilà, hein, je vous ai déjà montré leur tapis gamer lors d'une vidéo. Avec les LED là qui est plutôt pas mal, franchement, pour un prix très abordable. La souris et le clavier, hein, j'en parle même pas. Le clavier, il est fait en acier, si vous voulez, en acier brossé. C'est vraiment lourd, tu sens que c'est de la qualité, que c'est de la solidité, tu vois. Et la souris aussi, pas mal du tout, les gars. Hein, donc voilà, bon, pour tout ce qui est les détails techniques, tout ça, hein, voilà, vous irez directement sur leur site qui est en description. Maintenant, on va passer à tout ce qui est en dessous le bureau, hein, la partie sombre du bureau, tout ce qui est câble, hein, voilà, vous pouvez le voir, c'est effectivement la merde. Donc voilà, j'ai ma Play 4 qui souffre, hein, qui souffle surtout, elle souffre pas, mais elle souffle, parce que vous pouvez l'entendre en live. Voilà, hein, pour ceux à qui ça casse les couilles, je le sais, je suis désolé. Juste à côté, vous avez le hub que j'ai fixé avec de la pâte à fixe, hein, pour, voilà, tout simplement, je sais pas pourquoi, parce que ça tient mieux, de la pâte à fixe pour... Pour comment ça s'appelle, voilà, un hub, ça sert à tout simplement avoir plus d'entrées USB, hein, pour le PC, tout simplement, rien de plus simple. Maintenant on va passer à mon PC portable, hein, qui est mon ancien PC pour les streams, qui n'est d'autre qu'un Acer, j'ai oublié la référence exacte, voilà, je sais juste qu'il, voilà, a un Core i5, 7400 si je dis pas de bêtises, avec une carte graphique de chez Nvidia 940MX, hein, voilà, c'est les cartes graphiques là pour PC, bon, elle est pas ouf du tout. Et donc voilà, donc c'était suffisant pour live et faire des vidéos, mais pas pour jouer dessus, malheureusement. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer aux deux écrans qu'il y a sur mon bureau principal. Donc on a un Acer que j'avais acheté 90 balles à l'époque à Darty, hein, qui date un peu. Voilà, hein, les deux écrans, ils ont au moins 5 ans. Non, le HP a 5 ans, mais le Acer en a 4. Attends, pour moi, 4 ou 3, je sais plus. Donc voilà, hein, ces deux écrans font encore le taf, donc je vois pas. J'ai pas trop d'intérêt à changer, hein. Bon, je vois pas pourquoi, hein. Ils font vraiment le taf, surtout pour leur prix, hein. Ils volent pas très 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 cher en soi.
Donc voilà, je vous afficherai les références encore à l'écran, hein, parce que comme je vous l'ai dit, hein, je ne les connais pas par cœur, hein, parce que les références de chez Acer, c'est des bails de J, Sui, Si, c'est l'alphabet, donc c'est compliqué. Donc juste derrière l'écran, les gars, on a mon petit Elgato Game Capture HD, comment dire, que j'utilise en fait pour enregistrer le gameplay de PS4, hein, voilà, donc j'envoie en fait le gameplay PS4, de la PS4 ou de n'importe quelle console vers le PC, parce qu'on me demande à chaque fois en live, ouais, comment tu fais pour enregistrer le gameplay de la PS4, tout ça, t'attaque. Ça se passe comme ça, c'est avec un boîtier d'acquisition, ça s'appelle tout simplement. Donc voilà, hein, celui-là aussi, vous le trouverez le lien en description si vous voulez vous le procurer, qui coûte à peu près 150 balles. Bon, voilà, il y en a des moins chers, hein, Shaver Media par exemple, tout simplement. Juste à côté, on a mon enceinte Bose, les gars, que j'utilise souvent pour écouter de la musique quand je joue, quoi, je la place derrière les écrans, voilà, pour que le son sorte mieux, ou même pour entendre le son du jeu, parfois je l'utilise. Donc voilà, parce que son son il sort à 360 degrés, comme j'essaye de vous le montrer. C'est pour ça qu'elle est plutôt pas mal, hein. Elle aussi, ça sera en description. Tout sera en description. Tout objet montré dans cette vidéo sera en description, de toute façon, hein. Donc voilà. Donc, juste maintenant, on va passer au webcam. Donc voilà, j'ai deux webcams. J'ai une j'ai une Logitech C525 qui était ma première webcam, hein. C'est un peu l'entrée. L'entrée de gamme, mais pour un prix et une qualité très abordable. Donc voilà, elle coûte 30 balles, 40 balles, quelque chose comme ça, et franchement, elle fait largement le taf. Juste à côté, on a le haut de gamme, on va dire, hein, c'est ce que tous les youtubeurs utilisent en termes de webcam, généralement. C'est la Logitech C920, après il y a la C920 Pro, ainsi de suite, hein, voilà. Après, il y a des versions excusez-moi pour mon anglais, de cette cam. Par la suite, on va parler du micro avec lequel je vous parle actuellement, qui est le Snowball Ice de la marque Blue. Donc voilà, qui est un micro que j'ai depuis maintenant un peu plus de 3 ans, hein, et qui fait toujours autant le taf. Ce que je kiffe avec ce micro, c'est qu'il a déjà, comment ça s'appelle, un filtre anti-pop, tu vois, à l'intérieur, et de plus, son design, j'aime bien, donc voilà, hein, tout simplement. Et en plus de ça, il est pas cher, hein, parce que nous, on regarde surtout le prix, hein, je tiens à le signaler. Juste à côté, vous avez le casque, le Plantronics Rig 500, enfin le Rig 500 de chez Plantronics, voilà, que j'ai lui aussi depuis, voilà, hein, tout ce que je vous montre, généralement, ça date depuis un moment, comment dirais-je, le PC portable et le PC fixe, hein, c'est les deux seules choses à peu près récentes avec un clavier, souris, chaise. Mais le reste, hein, c'est un peu des trucs qui datent. Maintenant, on va passer au meuble qui est juste à côté avec le troisième écran, qui est un écran de chez Itworks, hein, que j'ai acheté là cette semaine. Enfin, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et franchement, il est pas mal pour le prix. Donc voilà, hein, référence à l'écran. Voilà, j'ai pas de détails à vous dire, parce que je sais qu'il y a juste une milliseconde de réponse. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, hein, parce qu'on m'a dit que voilà, c'était important à prendre ça aussi en compte. Voilà, après, hein, voilà, je suis pas un mec qui fait des vidéos high-tech ou je sais pas quoi, donc je ne sais pas comment m'exprimer par rapport à ça. Enfin bref, hein. Donc juste en dessous, les gars, le premier étage de la commode, c'est enfin du meuble, hein, c'est mes jeux, hein, que j'utilise actuellement, c'est-à-dire PS4 et Switch. Alors voilà, les jeux Xbox 360, PC, tout ça, j'ai pas. Donc du coup, voilà. Juste en dessous, on a notre Nintendo Switch avec quelques figurines que j'ai, hein, les peu de figurines, c'est ceux des Woodbox. Et à côté, il y a les mangas de mon petit frère, hein, My Hero Academia, Dragon Ball. Alors pour ceux qui connaissent, bon, il n'y en a que 4 mangas, hein, mais il y en a d'autres, mais je ne sais plus où ils sont. Voilà, là j'avais fait juste exprès pour la vidéo. Juste en dessous, vous avez la boîte un peu où il y a tous les câbles qui traînent, hein, tout, mais vraiment tout, dès qu'on voit un câble qui traîne, ça va dedans. Câble Ethernet, chargeur, tout. Et juste en dessous, bah, c'est mes cahiers. Mes cahiers de cours qui sont un peu en merde, mais ils sont là, tu vois, délire. Tu vois le délire. Donc après, pour ceux qui me diraient, ouais, pourquoi il y a autant de boîtes de baskets à côté, bah, c'est tout simplement que mon petit frère mon kiffe les baskets, et du coup, on a des baskets, c'est tout. Voilà, rien de plus, ni moins. Et puis, juste à côté des baskets, le petit ventilo en approche de l'été qui est bien posé depuis un petit un an, hein. Donc voilà, les gars, donc là vous le voyez, hein, je vous fais encore un récap de la chambre. Donc ma chambre, comme je l'ai dit, elle est pas si grande, hein, mais ça suffit largement. Voilà, on a notre lit superposé, le bureau, hein, voilà, pas besoin, les gars, d'avoir un matos de ouf, une gaming room ou je sais pas quoi pour faire des vidéos, les gars. Je vous assure que seulement un tiers du matos que j'ai suffit largement. Voilà, hein, par contre, c'est vrai que sur YouTube, pour se lancer, il faut quand même investir un minimum. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo setup vous aura plu, hein, parce que vous me l'avez demandé plusieurs fois. Donc je compte sur vous pour bombarder la barre de like, les gars. Tous les produits présentés dans cette vidéo sont bien évidemment en description, donc n'hésitez pas, les gars, que ce soit du PC, des écrans. Donc si vous voulez un article semblable au mien, les gars,
Hein, voilà, donc n'hésitez pas, c'est en description. Par exemple, le PC, les gars, si vous voulez celui identique au mien, la config identique sur le site de PC Config est en description. Donc voilà, les gars, moi je vais vous laisser. Hein, prenez soin de vos deux familles. Moi je vais vous laisser, et puis je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao, les gens.